Jade Stitou est une véritable championne de taekwondo. Trois titres de championne de Belgique, une carrière internationale et de nombreux autres succès. Mais suite à une blessure au genou, la jeune femme a désormais une autre passion, le football. J'ai fait du renforcement musculaire et là ça a été. Et un jour une copine à moi m'a dit viens faire du foot avec moi dans un club, BX Brussels à Forêt. Et j'ai accepté, j'ai beaucoup plu au coach, donc ma façon de jouer, tout ça. Et moi aussi, j'ai vraiment aimé le football, donc j'ai continué dans cette voie-là. Et qui de mieux que sa maman, venue l'accompagner ce jour-là, pour décrire sa personnalité. C'est une fille que les gens aiment, que les gens demandent après elle, parce qu'elle est très agréable, elle est toujours de bonne humeur. En plus, elle est marrante, elle rigole souvent et tout. Donc elle crée quand même une bonne ambiance autour d'elle. Jade possède un diplôme d'aide-soignante et se destine à des études dans le milieu médical. Sportive dans l'âme, elle évolue aujourd'hui au club de Wolverhampton et semble complètement épanouie dans sa nouvelle discipline. Elle a d'ailleurs participé à la phase finale du tournoi Neymar Juniors 5 à Sao Paulo et a pu représenter avec son équipe les couleurs de la Belgique. C'était hyper rapide, donc au début on a joué défensivement, mais les équipes là-bas c'est vraiment du haut niveau. On a essayé, mais malheureusement on a perdu contre le Brésil, donc contre les championnes. Durant le tournoi, elle a également eu l'occasion de rencontrer la star brésilienne via une situation un peu cocasse. J'ai pu rencontrer Neymar. C'était très difficile parce qu'il y avait des gardes du corps partout. La première fois que je l'ai vu, en fait, j'étais dans l'ascenseur et les gardes m'ont pas vu, donc j'étais avec ma copine Dunia. Et une fois que l'ascenseur il est en train de se fermer, on l'a vu, donc on a ouvert. Et il nous a vu, il a rigolé parce qu'on était tout excités de le voir. C'est quand même, il est connu mondialement, c'est quand même un grand joueur. Une expérience qui restera dans la mémoire de la jeune femme qui finalement, que cela soit au taekwondo ou au football, reste la même, une championne.